vous jure, je comprends qu'il est important de dénoncer, mais j'arrive pas à comprendre cette méthode. Elle est faite pour se faire connaître, elle est faite pour se faire entendre, elle est faite pour se faire parler, mais ça sert à quoi en final? Donc ça se passe à Lyon, ces deux activistes écologiques qui aspergent de soupe un tableau de Claude Monet. Le tableau s'appelle Le Printemps. Ces jeunes activistes écologiques appartiennent au collectif La Riposte Alimentaire, donc inconnus au bataillon, mais grâce à ça, ils vont se faire connaître. Ensuite, ils ont publié un texte de revendication, donc je le mets en dessous, on voit le tweet. Ce printemps sera le seul qui nous restera si nous ne réagissons pas. Que vont peindre nos futurs artistes? À quoi rêverons-nous s'il n'y a plus de printemps? Donc d'où le fait de renverser de la soupe sur le tableau Le Printemps. On scandait Ilona et Sophie, toi, engagée avec la campagne Riposte Alimentaire. On peut voir à l'opposé le maire Europe Écologie Les Verts, donc maire écologiste, qui met sur ce tweet, je vous montre l'image. Je regrette l'action menée ce jour au musée de Beaux-Arts de Lyon contre une toile de Monet. Tout mon soutien aux équipes contraintes de fermer une partie du musée. Mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime, nous y répondons par une action résolue. En gros, la forme n'est pas bonne, mais le fond est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me dire en commentaire. Je trouve que moi aussi, je suis dans cette idée-là, qu'il est très important de mettre en garde les personnes du réchauffement climatique, mais il est important d'amener une meilleure forme à cette idéologie. Saccager des peintures, je ne trouve pas que ça soit une très bonne idée. Et donc, il est important de changer cette forme. Comment choquer le public tout en faisant comprendre ces idéologies? Dites-moi en commentaire.